Bonsoir à tous, c'est Franck Dilla. Il y a quelques jours, je faisais une vidéo, ou pas un post plutôt, sur Facebook pour féliciter quand même l'hôpital de Infilo et dire que bon, voilà, je le trouvais plutôt pas mal, plutôt propre, plutôt organisé. Là, malheureusement, j'ai une petite situation et je trouve quand même, si je vous parle dans le noir, c'est parce que je suis à l'accueil de l'hôpital. Je suis dans l'accueil de l'hôpital. Avec une situation, j'ai quelqu'un qui m'est très proche, qui a eu un accident, et donc je l'ai emmené à l'hôpital de Mfilou. Malheureusement, en arrivant dans cet hôpital, rien qu'à l'accueil, bah, il n'y a pas d'électricité, quoi. Et donc, le médecin est dans la capacité de me consulter, tout simplement parce qu'il n'y a pas de courant. On est là, et donc on attend. En espérant hypothétiquement que celui qui est chargé d'allumer le groupe allume le groupe électrogène pour que il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient être consultées. Et malheureusement, on est là, on attend. Donc s'il y a une urgence grave, malheureusement, il y a peut-être un seul médecin et ce médecin ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas d'électricité dans l'hôpital de Mfilou. C'est quand même dommage. Je tenais à le dire parce qu'il y a quelques jours, quand j'ai fait ce post en disant que bon voilà, l'hôpital de Mfilou, c'était quelque chose qui était pas mal parce que j'y avais été bien reçu pendant la journée, mais je m'attendais pas à ce que je vis ici là, à ce moment-là précis. Et donc c'est important de le dire. Bonne soirée à vous. C'était Franck Dilla.